Je vois l'état de mon pays, ça va pas mieux en vieillissant. On rêve démocratie, au réveil on finit sans. Si tu contestes leur système, ils te diront t'es médisant. Ils enverront la police pour gazer les plus réticents. Y'a comme des taches de sang sur la fleur de lys dans tout ce qu'ils nous font. Amis de Pipo TV, on est le dimanche 18 septembre. Ouais, déjà, hein, donc là, bah, on est parti pour un nouveau JT. Hein. Allez, c'est parti. Premier petit sujet, c'est François Cluzet. Hein. Il était sur France 5, hein, c'est à vous, je crois. Là, c'est une émission de bien-pensance. Hein. Ah oui, et là, vous en prenez plein. Ils vous remettent dans le droit chemin. Si vous n'y êtes pas, vous les regardez et vous remettent. Parce que des fois, on est un petit peu comme ça. Donc là, c'était François Cluzet qui était invité. Et bah, il a dit, hein, d'entrée, il a dit « C'est mon devoir d'ouvrir ma gueule. » Et que c'est mon devoir un peu d'ouvrir ma gueule pour... Il est là pour ça. Je sais pas pourquoi il a fait son devoir. Je sais pas qui il est pour dire ça. Non, il peut fermer sa gueule, ça nous plaira autant. Mais non, lui, il estime que... Donc, il a commencé à parler. Mais il a parlé. Regardez, écoutez ce qu'il dit. Il parle des complotistes. Par exemple, le complotisme, c'est quelque chose qui ne peut pas me laisser... Alors là, j'ai entendu le mot complotiste. Et je me suis dit, c'est moi. Peut-être que je me suis dit, même il va parler de Pipo TV, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver sur le coin de la gueule? Je ne sais pas, hein. Moi je me sens concerné. Hein. Ah oui, oui, alors moi j'ai le logo, hein. J'ai le logo officiel. Peur le bruit là. Ingénieur, doucement sur les bruitages. Quoi. j'ai le label rouge et tout, hein, donc vous le savez maintenant. Hein. Donc moi je suis certifié complotiste 100%. Donc je me suis dit, ben là il parle de moi. Je me suis dit, ben, je vais regarder. Parce que quand Cluzet il parle, généralement. Ouais. Et là, donc il parle, Cluzet, machin, les complotistes, hein. Et d'un seul coup. Dites que c'est les collabos d'aujourd'hui, les complotistes. Il me semble. Les collabos. Alors là, j'ai merde, les collabos. Ça me faisait chier, j'ai merde, me v'là collabo. Hein, parce que collabo, on sait ce que c'est. Hein, et il y en a eu à une époque, ouais, je me rappelle, moi, dans la 7ème compagnie, ils en faisaient voir. Et je me rappelle, ils étaient épiciers, je sais plus quoi, ils étaient une épicerie. Puis à la fin, ils faisaient Hitler! 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 Il était comme ça, le mec. Je me suis dit, c'est moi. Ah non. Et puis il donnait du saucisson, alors du halal. Vous savez du halal? Je sais pas si vous vous souvenez du film, là, c'est... les jeunes, vous comprenez pas ce que je dis, mais ouais, ils distribuaient du saucisson. Et puis certains, ils n'avaient pas le droit au saucisson. Et donc c'est... Là, c'était moi. Je me suis dit, merde, moi, pourtant, le saucisson, je redonne à tout le monde. Hein. Mais ouais, c'était moi, apparemment. Donc on est arrivé avec les collabos. Et puis après, il continue, puis qu'est-ce qu'il dit? En tout cas, ils nous foutent dans une humeur de doute. Regardez ce qui s'est passé avec les anti-vax, avec... Les anti-vax. Oh, bah, j'ai dit, me v'là. Alors, bah, les anti-vax, oui. Bah, c'est... Ah oui, parce que lui, il estime. Hein. Si tu veux pas une injection dans le fion partout, lui, il n'est pas d'accord. Non, il l'a dit. De toute façon, si le gouvernement le dit, il l'avait dit. Hein, il faut... être en accord avec eux. Ils veulent vous picouser et il faut se faire picouser. Ça, c'est son truc. Et donc là, bah, c'est moi. Enfin, j'ai dit, putain, ouais. Et à la fin, on finit, bah, évidemment, on finit normalement par feu d'artifice. Et là, d'un seul coup... C'en est presque à devenir à faire des spectacles avec des antisémites, enfin. Antisémites. Putain. Alors là, on est passé de complotiste, collabo, anti-vax, antisémite. C'est le... Bah là, c'est gagnant. Je pense. Bah là, du coup, je dois être antisémite aussi, moi. Et... Parce que dit, j'en connais un, on me compare, enfin, on dit que je triche, hein, enfin, je copie, enfin, l'autre antisémite. Donc, me voilà au même niveau, hein. On n'est pas au niveau de la qualité, mais au niveau du. Me voilà aussi. Cluzet, faut savoir, c'est une pute. C'est la pute à Macron, d'ailleurs. C'est la pute à Macron. Ah oui, oui, il est bien. Ah oui, lui. Ah, Cluzet, c'est le spécialiste de la. Ah oui, si vous avez envie de vous faire sucer. Et gratos. Alors évidemment, il faut avoir le logo La République en marche, de préférence. Vous arrivez avec le machin des insoumis ou je sais pas quoi. Non, là, il vous sucera pas. Et si vous avez le logo La République en marche, ouais, elle est gratos. Et là, il vous en fout. Lui, Cluzet, c'est ça. Ah oui, oui, il aime bien ça. Et bah, regardez, je vais vous faire une vidéo. Alors c'était à l'investiture de Macron en 2022. Et regardez-le. Pour ceux qui peuvent voir. Alors j'ai même zoomé pour qu'on le voie bien. C'est un régal, allez-y, regarde, vas-y, envoie la pute, ouais, vas-y, envoie-la, merci.
C'est le théâtre. C'est un cours de théâtre que Brigitte Macron et Emmanuel Macron se rencontrent. Et là, on voit Rima Abdulmalak Sa, conseillère culture, juste derrière Bernard Montiel. Bon, vous avez vu. Ah, vous avez vu, là, plus Susboul, plus collabo. Parce que moi, dans ce cas-là, il parlait de collabo. Mais là, vous le voyez, il est carrément comme ça. Je pense que Macron avait baissé le pantalon. Là, lui, il n'avait rien à foutre. Devant tout le monde, il lui a attrapé le bordel. C'est peut-être comme ça. Et à mon avis, oui, là, je pense que là, il y allait. Il pouvait. Et peut-être même, il serait mis comme ça. Vas-y, Macron. Ah oui, il est comme ça. Ouais, bah, il était même prêt à se tourner, je pense. Voilà. Donc, Cluzet, j'avoue, alors c'est un ami, hein, puisque évidemment, je fais partie du showbiz. Mais là, j'étais pas d'accord. Bon, de toute façon, si on se verrait, on s'expliquerait hein, gentiment, il n'y a pas de danger. C'est un ami quelque part. C'est un ami, c'est un collègue. François Cluzet, je suis humoriste. Ouais. Donc, une fois, il y a une personne qui a ri à une blague à moi. Donc, quand on rit une fois, on peut être considéré comme humoriste. Ouais. Voilà. Bon, on va changer de sujet. J'ai un autre petit sujet, et puis la vidéo va se terminer là, parce que de toute façon, j'ai l'impression que je dis de la merde. Alors, là, on va parler d'un rapport. Hein. Ouais, c'est un rapport de sénateurs, certains sénateurs, j'ai pas noté les noms, je m'en branle complètement. Ils veulent aligner les règles de la sécurité routière à la chasse. Ouais, parce que... Alors, surtout pour l'alcool et la drogue pour l'instant, mais ils leur font sûrement peut-être un permis à point, tu vois, comme nous. Mettons, tu tues une personne, mettons, si c'est un adulte, ben, c'est 3 points. Tu tues un gosse, mettons, c'est peut-être 6 points. Enfin, toi, selon ce que tu fais, j'en sais rien d'autre. Hein, tu tires en l'air alors que tu ne devais pas. Enfin, voilà. Mais pour l'instant, c'est juste l'alcool et la drogue. Bon, la drogue, c'est les chasseurs. Peut-être l'alcool, je ne sais pas. C'est vrai que l'alcool, bah, c'est vrai que si tu cherches un chasseur qui boit pas, de toute façon, oui, quelque part, c'est vrai que c'est possible que tu cherchais une femme qui conduit bien en voiture. Ouais. Non, tu trouveras. Et même des filles sont dangereuses, même un peu comme un chasseur, tu sais, qui a vu. Donc là, ils veulent plus qu'ils boivent. Ils boivent de l'alcool. Non. C'est souvent, apparemment, le midi, le matin, ça va à peu près, puis le midi. Mais quelque part. Un chasseur qui boit, après même pour trouver un sanglier, ça doit être, toi, ça j'imagine, ma chaîne est comme ça. Hein. Donc, on leur interdit de boire de l'alcool, quelque part, après ça va être une boucherie, parce que quand ils vont revenir l'après-midi, là ils seront, tu vois, et là, même une petite caille, ils vont te la flinguer. Là, à mon avis, ça va être un carnage. Hein, je trouve. C'est un truc que je trouve ça con, quelque part, je trouve. Laissez les boire tranquilles. Oh, il y a quelques... Oh, remarquez, je crois qu'il y a eu 9. Il y a 9 morts ou 9 blessés avec l'accident. C'est pas non plus... Et s'amuser... Bon, enfin, voilà. Donc, c'est une nouvelle loi. Hein, donc, je vous préviens. Ah, ils veulent même leur faire passer un petit brevet de secours. Il faudra, je sais pas pourquoi. Voir réanimer peut-être un chevreuil quand il est juste blessé. Je sais pas. Examen médical tous les ans. Bon, ils veulent les faire chier. En gros, quand même, quelque part, c'était ça. Voilà. Bon, on va dire, on finit par une petite... conneries, et puis on se retrouve dimanche prochain, parce que là, j'ai rien. Ah oui, alors là, on finit avec rien, en fait. Vous pouvez même arrêter la vidéo. Là, c'est vraiment de la merdasse, complet. Alors, je vous mets ça, c'est pour les femmes cet été. J'avais déjà mis dans une autre vidéo, mais c'est un nouveau modèle, c'est les maillots de bain, hein, donc c'est pour la mode 2023, c'est pour vous, mesdames. Si vous cherchez un petit maillot de bain, vas-y, envoie le petit maillot de bain. Voilà, regardez. Voilà. C'est une nouvelle collection et c'est vraiment. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal et voilà, c'est pour. Vous porterez peut-être ça cet été ou pas si vous n'en avez pas envie. Ça, c'est tout. Donc voilà, donc je vais vous mettre pour être prêt cet été, mesdames. C'est encore pour vous, mesdames, hein, quelque part. C'est vrai que le sport c'est bon, le sport c'est bien, ça c'est sûr. Et sur Pipo TV, on incitera les gens à faire du sport, ça c'est bien. Et regardez cette petite jeune fille. Donc je vais vous la mettre deux, trois fois d'affilée. Regardez, elle fait du sport et là on se rend compte le plaisir de faire du sport. Et c'est vrai que c'est un plaisir, quelque part. Vas-y, envoie cette jeune fille qui fait du sport. Voilà, ah oui, elle prend plaisir et ça c'est clair. Okay.
quelque part, c'est ça le sport. C'est... voilà, alors, on termine ce JT qui est très merdique par un petit conseil. Là, c'est pour vous, messieurs. Quand vous êtes dans une voiture cabriolet, c'est vrai qu'on ne sait pas où se tenir. Un cabriolet, toi, tu ne sais pas. Et donc, ben, faites attention où vous mettez vos mains, parce qu'évidemment, un accident est vite arrivé quelque part. Aïe! Aïe, ouvre la porte, s'il te plaît. Oh my god! Aïe! Aïe, ouvre la porte, s'il te plaît. Oh my god! Ça va? Voilà! Il faut faire attention, parce que je sais pas d'ailleurs s'il a été à l'hôpital après, mais il a dû avoir une petite douleur! Voilà! Ben on arrête là, je veux pas faire plus pour ce dimanche. Allez voir un autre youtubeur qui sera sûrement plus performant, parce que là, moi, je pense que je suis en faiblesse. Marie-Génieur, tu vas être payé à rien foutre aujourd'hui parce que j'avais pas grand chose. Bah, tant pis, c'est comme ça. Allez, terminé, et on se retrouve dimanche prochain avec peut-être.